We are located right in Obuasi, precisely BDM. The school has a number of facilities that aid in learning. We have qualified and trained teachers who are ready and willing to assist the children. The school has many facilities such as the ICT laboratory. We also have a science laboratory. We also have a library. The school has a number of buses which convey the children from their various destinations to the school premises. We have the football team, we have the drama group, we have a lot, and the school is based on the Christian principles. For more inquiries, you can call this number 0541 310 901 0541 670772. Abundant grace, in God we trust. Bonjour à tous et à tout le monde. Ici, c'est la station de AGPS. AGPS, je me nomme Azuma, un professeur de français à AGPS. Nous sommes toujours à apprendre le français. Continue de le programme. La fois passée, on n'avait pas fini. À propos de l'Internet, il y avait eu des coupures de l'Internet. Donc, on n'a pas pu achever. Mais aujourd'hui, nous allons, si prêt à Dieu, nous serons obligés de finir ou bien de faire ce qui est important. Nous allons débrouiller pour finir tout aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous aurons aussi des choses à faire. Mais pour commencer, Nous allons prier à Dieu pour remercier ce qu'il nous a fait. Là que vous êtes, prions. Là que vous êtes, prions. Lorsque vous êtes, prions à notre Père. Notre Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne et le siècle, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc nous allons continuer au numéro 8. That's question 8. Question 8. Il dit, John, voici mes livres. Où sont les siens, les miennes et les siens? John, voici mes livres. Où sont les miennes ou bien les siennes? Est-ce que c'est A, c'est B, c'est C ou bien c'est D? J'ai des livres. Où est pour toi? C'est ce qu'il veut dire. John, voici mes livres. Où sont les siens? Maintenant, 9. Question numéro 9. Question numéro 9. Ma mère a acheté deux boîtes sardines. Ghana City. Ou bien c'est combien?
Question numéro 9. Est-ce que c'est de l'apostrophe, les? Quelle serait la bonne réponse compte tenu de la grammaire? Donc ici nous avons deux boîtes de sardines. Or, deux boîtes de sardines compte tenu de la grammaire, l'accord. Donc ici, c'est le verbe, nous avons le verbe et aussi des prépositions. Vous voyez? Donc ici, on ne peut pas utiliser des. On ne peut pas utiliser des les. Or, les. Donc la bonne réponse serait deux. Ma mère a acheté deux boîtes de sardines. Ici, donc, la réponse est B, qui est 2. Vous voyez, ici, c'est la réponse. La question 9, B, qui est 2. B, qui est 2. Continuons. 10. Je pense souvent. Souvent, village. Je pense souvent village. Je pense de quoi? La question sera, qu'est-ce que tu penses? Je pense du village, je pense au village, je pense de mon village, ou je pense de village. Je pense souvent de mon village. Donc la bonne réponse est de. Je pense souvent de mon village. Donc, question numéro 10, la réponse est C. Donc, compte tenu de 10, la réponse est C, qui est 2. La réponse est C, qui est 2. Non, nous avons fini avec part 1. Nous avons fini avec la première partie. Maintenant, nous allons continuer avec la seconde partie, qui est partout. 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 Below are 10 sentences with empty spaces, followed by 4 options, letter A to D. Choose from the options the most correct answer that will fit into each blank space. All this in French is so simple. Il y a 10 questions. Dans les 10 questions, nous avons A et D. Donc, ça commence de A jusqu'à D, les options. Et nous avons numéro 1 jusqu'à 10. Mais ici, nous avons fini avec 10. Nous procédions avec numéro 11. Numéro 11. Et dans le 11, nous avons les A, B, C et D. Et D. Vous voyez, non? Donc ici, je vais lire. Je vais lire le numéro 11. L'homme cultive son champ avec le. L'homme cultive son champ avec le. Quand vous voyez, all these are objects. All these are objects. 11. A. Nous avons coupe. Coupe, c'est quoi? What is coupe in English? B. Nous avons cuillère. What is cuillère? C. Nous avons bois. What is bois? D. Nous avons fourchette. What is fourchette? So, it's up
to us to translate. C'est à moi de vous traduire en anglais. Coupe coupe is cutlass. Cuillère is spoon. Bois is wood. Fourchette is fork. So the farmer goes to farm wheat, or he farms wheat. What? Vous voyez, non? Si vous choisissez cuillère, that is spoon. How can the farmer farm with spoon? Vous voyez, non? C'est pas bien. Et ça ne marche pas du tout. C'est dangereux. Donc ici, nous allons choisir coupe, coupe. Coupe, coupe. Donc, question numéro 11. La réponse est coupe, coupe. Vous voyez? Numéro 11. La réponse est A. La réponse est A, qui est coupe, coupe. Coupe, coupe. Bien. Numéro 12. 12, 12. Okay. 12. 12. Numéro 12. Nous allons à Kumasi en. Nous allons à Kumasi en. That is, we are going to Kumasi dash. En classe. Bus. Arbre. Tableau. That's, we are going to Kumasi by something. Is it by class? By bus? By tree? Or by blackboard? Vous voyez, French, le français est très intéressant. Donc ici, on ne peut pas aller à Kumasi en classe, non. On ne peut pas aller à Kumasi en arbre, non, tableau. Donc la bonne réponse est B, qui est bus. Nous allons à Kumasi en bus. Donc numéro 12, la réponse est B, qui est bus. Comme vous voyez ici, dans numéro 12, nous avons B, qui est bus. Un bus. Numéro 13. Numéro 13. Numéro 13. Numéro 13. Numéro 13. Nous avons à midi, on prend le. À midi, on prend le. In the afternoon, we take the dash. In the afternoon or midday, we take in the dash. Ça, c'est le sens de, en anglais. Donc, en français, nous avons à midi, on prend le. Et nous avons les options ici. Le dîner, cuisine, déjeuner, midi. Dîner. Kitchen, lunch, or midi. Quelle serait la bonne réponse? À midi, on prend le déjeuner. À midi, on prend le déjeuner. Nous avons le petit déjeuner, that is breakfast, et le déjeuner, which is lunch. Vous voyez? Et le dîner, et on prend le dîner le soir. La cuisine aussi, on ne peut pas prendre la cuisine. Mais on prend le déjeuner à midi. Donc ici, la question 13, qui est à midi, on prend, nous allons compléter avec déjeuner C. Donc, comme je disais, numéro 13,
c'est C. Numéro 13, c'est C. Et le C se prononce comme déjeuner. Déjeuner. Numéro 14. 14. Numéro 14. Le fils de mon oncle est mon. Le fils de mon oncle est mon. My uncle's son is my. Ça, c'est en anglais. Le fils de mon oncle est mon quoi? Numéro 14. Est-ce que c'est mon frère, mon cousin, mon neveu, mon fils? Is it my brother, my cousin, my nephew or my son? Ici, en français, nous allons prendre quoi? Neveu. Le fils de mon oncle est mon neveu. Dans numéro 14, la réponse est C. Comme vous voyez ici, numéro 14, la réponse est C, qui est neveu. La réponse est C, qui est neveu. Numéro 15. Numéro 15. Numéro 15. 15. On se lave dans la. We take our bath in, or someone takes his or her bath in. On se lave dans la. Salon, that is hall. Chambre, bedroom. Salle de bain, bath out. Salle, class. So, quand vous choisissez chambre, donc la personne est malade. Si tu es malade, tu peux choisir comment? Chambre. Mais la bonne réponse est C. Salle de bain. Salle de bain. Salle de bain. Je dis bien salle de bain. Numéro 15, that is C. Salle de bain. Comme vous voyez, ici, numéro 15, nous avons C. Salle de bain. Salle de bain. Continuons. Nous avons le numéro 16. Numéro 16. Numéro 16. Avant de continuer, je vais effacer quelque chose pour qu'on ait une place pour continuer. Donc, revenons. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Numéro quoi? Numéro 16. Nous sommes au numéro 16. Numéro 16, tu veux dire quoi? Le boucher vend de la viande. Le boucher. Who's boucher? Le boucher is butcher. What does butcher do? Qu'est-ce qu'il fait? Il vend de la viande. Et où est-ce qu'il vend ça? Il vend ça dans la boucherie. Si tu vends du pain, ce n'est pas à la boucherie que tu vas aller vendre. Si tu vends des tomates, ce n'est pas à la boucherie que tu vas aller vendre les tomates. Vous voyez, si tu vends des voitures, bien des vélos, ce n'est pas à la boucherie qu'on vend ça. Seulement et seulement, on vend de la viande à la boucherie. Et on achète aussi. Les bouchers vendent. Et les acheteurs aussi viennent pour acheter. Donc, c'est comme ça. Le numéro 16, dont je disais, le boucher vend de la viande. Le boucher vend de la viande. Numéro 6, nous avons pain, bread, farine, viande et sauce. Donc, numéro 16, la réponse est C.
Numéro 16, la réponse est C. Comme je disais, numéro 16, la réponse est C, qui est viande. Qui est viande? Le boucher vend de la viande. Numéro 17. 17. Numéro 17, qui est en français, 17 en anglais, 17. Je vais lire. Dans un match de football, chaque équipe joue avec dash joueurs. Football match. When we are playing ball, each team has how many players? So each team you have to get the players on the field must be 11. Always 11 players are on the pitch playing. Donc ici, c'est comme ça aussi. Dans chaque match de football, chaque équipe joue avec combien de joueurs? Ce serait la question. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? 17, 22, 22, that is the two teams. Si vous choisissez 22, if you choose or select 22, it means the two teams. But here, they are talking about one team. In équipe, un match de football, chaque équipe joue avec joueur. Donc ici, selon moi, je choisis quoi? 11. 11. Chaque équipe joue avec 11 joueurs. Joue avec 11 joueurs. Question numéro 17. Ça, c'est B. 11. Comme je dis, numéro 17, nous avons B qui est 11. B qui est 11. Ça, c'est la bonne réponse à tout et à tout le monde, dans le monde entier. Dans le monde entier, au Ghana ou n'importe quel pays ou continent. Donc, on ne peut pas aller hors sujet. Donc, ici, nous avons 17, la bonne réponse qui est B, qui est 11. Numéro 18, 18, that is this week, qui est 18. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Le mois passé était août. Le mois prochain sera. When we talk about mois is months. Donc, août, nous avons 12 mois de l'année. Nous avons janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc nous avons 12 mois dans l'année. Nous avons aussi les 7 jours de la semaine aussi. Mais ici, on parle de mois. De mois ici. Est-ce que si août était le mois passé, donc le mois prochain serait quoi? Septembre. Ce serait quoi? Septembre. Donc, septembre est la bonne réponse. Question numéro 18. La bonne réponse est septembre, qui est A. Comme je disais, question numéro 18. La bonne réponse est A, qui est septembre. Bien, continuons. Question numéro 19. 19. Nous avons aussi le lion est un animal dash. Le lion, what is le lion?
Le lion is the lion. Le lion is the lion. Est un animal. What is est un animal? Le lion est un animal. The lion is an animal. Quel animal? We have type of animals. Nous avons différentes sortes d'animaux. Est-ce que c'est un animal sauvage, un animal domestique, ou bien quelle sorte d'animal? Vous voyez, non? Quand vous voyez même le lion, on ne peut pas vivre avec le lion à la maison. Donc, il est quoi? Il vient de la brousse. Et s'il vient de la brousse, il est quoi? Sauvage. Sauvage. Wild animal. Vous voyez? Sauvage. Wild. That's the meaning. Donc, ici, question numéro 19. Le lion est un animal sauvage. 19. D. Comme je dis, 19, qui est D, et ça veut dire sauvage. Sauvage. Le lion est un animal sauvage. 20. La question numéro 20. Cette fille ne parle pas. Elle est. That girl does not speak. Or she cannot talk. She is. Cette fille ne parle pas. Cette fille ne parle pas. Elle est. Comment? Elle est gourmande, sourde, aveugle ou muette. Gourmand is the one who eats too much. He might throw. Sourd, the one who cannot hear. Aveugle, the one with cannot see, the one who cannot see, il est aveugle, blind. Et ici, elle est muette. Cette fille est muette. C'est la bonne réponse. La bonne réponse de la question numéro 20 qui est cette fille ne parle pas, elle est muette. Ça, c'est la bonne réponse. Bien, en avant, nous avons ici 20, qui est 20, 20 qui est 20, et la bonne réponse, c'est quoi? D. Et D, le mot de D, ça devient quoi? Muette. Vous voyez, on ne peut pas écrire seulement que les lettres sans les mots. On a dit compléter avec les mots importants. Le D, le C, le B et le A ne sont pas les mots. Ils sont quoi? Les lettres. Mais les mots sont ici. Nous avons viande, 11, septembre, sauvage, muette. Ce sont les mots. Ce sont les mots. Ce sont les mots. So we are done with parts 1 and 2. We are done with parts 1 and 2. Merci de vous et de vous. Je vous remercie à Dieu. Je vous remercie de regarder la station de AGPS tous les jours de l'Internet. Si Dieu vous permet, mes chers amis, dans tout le monde, dans le monde entier et le Ghana, tout le monde de regarder la station de AGPS, le français, si vous voulez écrire ou bien comprendre ou bien parler. Veuillez à vous suivre tous les jours. Merci, merci, merci. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt.
Abundant Grace International School, we are located right in Obuasi, precisely BDM. The school has a number of facilities that aid in learning. We have qualified and trained teachers who are ready and willing to assist the children. The school has many facilities such as the ICT laboratory. We also have a science laboratory. We also have a library. The school has a number of buses which convey the children from their various destinations to the school premises. We have the football team, we have the drama group, we have a lot, and the school is based on the Christian principles. For more inquiries, you can call this number 0541-310-901, 0541-670772. Abundant Grace, in God we trust.